résultat provisoire de la CENI, le CDP remporte la majorité absolue avec 70 sièges. Des 70 partis politiques qui ont pris part à la compétition, seuls 11 seront finalement représentés à l'hémicycle. Dans 8 mois, les rues Wemtenga et Manemnoré seront bitumées. Ces voies vont permettre de désengorger l'avenue Babangida, sur laquelle on enregistre de plus en plus d'accidents du fait de l'intensité du trafic. Le gouvernement engage 6 milliards pour la réalisation de ces projets. Architecture, un Burkinabé remporte le prix de Global Alsim d'une valeur de 2 millions de dollars pour son projet de construction d'un complexe scolaire dans son village natal à Gando. Le génie burkinabé qui assure la conception de l'opéra de Lango travaille sur le concept d'une architecture essentielle en faisant une symbiose entre le climat local et la culture. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux actualités sur la RTB. Pour commencer, le Conseil constitutionnel a donc proclamé les résultats définitifs des élections législatives du 2 décembre dernier. Les 9 sages confirment les résultats globaux provisoires de la CENI. Le CDP s'en tire avec 70 députés. Les 54 autres députés se répartissent entre 10 partis politiques. De nombreux redressements ont été opérés sur les résultats provisoires de la CENI. Cela n'a pas suffi à créer une modification sur le tableau de répartition des sièges. Fousséni Kindo était sur place au Conseil constitutionnel à 9h pile. Son reportage. Le Conseil constitutionnel a établi les résultats. Sans surprise, le Conseil constitutionnel a confirmé ce vendredi matin les résultats provisoires des législatives du 2 décembre dernier. Le Congrès pour la démocratie et le progrès conserve sa majorité à l'hémicycle. Avec 4 360 000 inscrits et 2 972 000 votants, soit un taux de 74,13% de suffrages exprimés, le CDP totalise 70 sièges contre 19 pour l'UPC et 18 pour la DFRDA. Ces résultats sont donc définitifs. Environ une vingtaine de requêtes ont été reçues par le Conseil constitutionnel. Et à l'audience publique ce vendredi matin, son président n'a précisé aucune mention particulière les concernant. Le Conseil constitutionnel a procédé à l'analyse, au contrôle des documents électoraux et à l'examen des rapports de mission des délégués dans les bureaux de vote, qu'il s'en est suivi diverses rectifications d'erreurs matérielles, des redressements jugés nécessaires, ainsi que des annulations qui ont été spécifiées dans le procès verbal de recensement général des votes. Au rayon des irrégularités du scrutin du 2 décembre 2012 au Burkina Faso, environ plus de 263 000 bulletins nuls sont recensés. Les décisions du Conseil constitutionnel étant sans appel, elles prennent donc effet de leur prononcé. Avec ces résultats définitifs, une nouvelle configuration de l'Assemblée nationale et la loi ici au Faso indique que la nouvelle Assemblée a au plus tard une semaine pour se mettre en place. C'est dire que les choses risquent de se précipiter les jours à venir sur l'échiquier politique. Pendant ce temps, les députés de la 4e législature continuent leur mission de législateur. Ils ont examiné hier 4 dossiers. Ils ont adopté une loi pour permettre au gouvernement d'autoriser par voie d'ordonnance la ratification des accords avec les partenaires financiers pendant l'intersession de janvier à mars. Ils ont adopté également un projet de loi portant régime de sécurité en matière de biotechnologie et 2 accords de ratification. Le compte-rendu de Kwame Bama et de Sylvain Vibamba. En autorisant à l'unanimité le gouvernement à ratifier la charte du Conseil de l'Entente signée à Cotonou le 5 décembre 2011, la représentation nationale permet au Burkina de confirmer son engagement de pays membre fondateur de cette organisation ayant participé aux travaux de dynamisation de la dite structure. Ayant été membre fondateur et ayant suivi l'évolution du Conseil de l'Entente, ainsi que les difficultés qu'il a rencontrées, notamment au cours des 2 dernières décennies, le Burkina Faso a voulu joindre ses efforts à ceux des autres États membres pour relancer le Conseil de l'Entente. La sécurité en matière de biotechnologie était au centre de la préoccupation de 2 dossiers, notamment le protocole additionnel relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques et surtout le projet de loi portant régime de sécurité en matière de biotechnologie au Burkina Faso. Burkina Faso s'est engagé depuis bientôt une dizaine d'années à exploiter les biotechnologies végétales dans le domaine de l'agriculture.
Il s'agit d'une décision courageuse. L'objectif de ces lois-là qui ont été adoptées par l'Assemblée aujourd'hui, c'est de créer ces cadres réglementaires qui permettent d'utiliser avec le maximum de sécurité les produits de la biotechnologie pour le développement du Burkina. Enfin, par une loi d'habilitation, l'Assemblée nationale a permis au gouvernement d'autoriser par voie d'ordonnance la ratification des accords de financement conclus avec les partenaires techniques et financiers pendant l'intersession du 1er janvier au 31 mars 2013. L'opposition à travers le groupe Alternance Démocratie et Justice ayant voté contre, c'est à 72 voix sur les 77 votants que ce projet de loi a été adopté. Le médiateur du FASO présente son rapport au président du FASO qui fait le point donc des modifications, des médiations conduites donc en 2011 au bénéfice des administrés dans les conflits qui les opposent à la puissance publique. Des recommandations sont formulées pour améliorer les services. Le reportage est signé de Nyarkiteda. C'est un rapport de 111 pages qui a été remis au président du FASO ce matin. Dans ce rapport, le médiateur du FASO présente sommairement l'institution et dresse le bilan des activités menées par sa structure. Nous avons voulu rappeler au chef de l'État que ce rapport 2011, c'est le bilan aussi des activités de mon prédécesseur, plus le mien. Donc, ce bilan, bien sûr, pour l'essentiel, concerne les dossiers de réclamation. Et comme beaucoup d'institutions, nous appliquons le principe de redevabilité qui voudrait que chaque année, nous puissions présenter un rapport annuel au chef de l'État et aux responsables des autres institutions. Le médiateur du FASO a instruit 768 plaintes impliquant 4853 réclamants. Les réclamations ont porté essentiellement sur les litiges relatifs aux finances, aux fonciers, des plaintes relatives à la carrière des agents publics, des demandes relatives à la justice et des demandes sociales. Pour tous ces cas, l'institution a obtenu 75% de médiation réussie. Un taux jugeux satisfaisant par le médiateur du FASO pour qui son institution gagne d'année en année et nécessite de nouveaux défis pour répondre aux attentes des usagers. Les défis, ils sont nombreux. Mais principalement, nous voulons mettre l'accent sur la réorganisation et le renforcement de nos capacités afin d'être toujours plus proches du citoyen. Nous voulons aussi élaborer un plan d'action à l'issue de notre plan quinquennal afin de rendre opérationnelles toutes les activités qui sont consignées pour la durée de notre mandat. Dans ce rapport remis au chef de l'État, le médiateur du FASO recommande au gouvernement le renforcement de la surveillance du respect des procédures de cession des terres rurales et la nécessité d'améliorer les prestations et les rapports entre les services publics et les usagers. Le médiateur sollicite également auprès des plus hautes autorités un accompagnement pour la réalisation des infrastructures au niveau de concentré pour les délégations régionales afin d'être encore très proche des citoyens. Cette information qui nous vient de l'Association des journalistes sportifs du Burkina en raison de la diffusion des résultats officiels des élections législatives du 2 décembre dernier. Peu après ce journal, la GSB informe ses invités que la cérémonie de la nuit des champions débutera peu après la diffusion des résultats. Heure limite d'arrivée, 22h. Les communautés étrangères s'engagent à promouvoir la vision 2020 de la CEDEAO. Les membres de la coordination des communautés vivant au Burkina étaient donc chez Luc Adolphe Diaw au cours d'une audience. Ils ont promis donc leur engagement. Le coordonnateur Marafa Touré, leur président, explique à Amadou Ardo Diko le rôle qu'ils entendent jouer. J'ai accompagné la coordination ce matin pour remercier ce que l'État au Burkina a fait pour les communautés vivant au Burkina Faso. Vraiment, nous sommes dépassés parce qu'on a tout l'honneur qu'ils nous ont attribué. C'est notre journée qui a commencé hier et ça continue jusqu'au samedi. Donc nous sommes venus voir le Premier ministre pour qu'il va transmettre notre remerciement à son excellence, M. Blaise Compaoré, président du Faso.
Le premier ministre vraiment nous a assuré pour dire que vous êtes chez vous et soyez tranquille. Et nous sommes là à côté de vous et pour vous accompagner à tout. Nous allons faire un maximum d'efforts. Bon, ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans que nous avons célébré cette intégration au Faso. Et vraiment, ça va continuer avec notre ministre délégué, qu'on doit remercier aussi, qui nous accompagne chaque année, on fait des bosquets dans l'intérêt du pays. Vraiment, l'intégration, ça va, ça a beaucoup à progresser par rapport au commencement. Les formes et les manifestations de la corruption identifiées aux assises nationales, les 650 délégués des couches socio-professionnelles ont fait des recommandations et proposé un mécanisme de suivi et d'évaluation des précisions de Symphorien Samba. Les pots de vin, les raquettes, la concussion, les trafics d'influence et les détournements des deniers publics sont les formes et manifestations de la corruption identifiées dans tous les secteurs à l'issue de la séance plénière des assises sur la corruption. À ces manifestations, des recommandations ont été faites. Et pour un recul de la corruption, il y a deux volets. Le premier, c'est la tolérance zéro. Je pense que quand on dit tolérance zéro, ça ne veut pas dire éradication zéro. C'est-à-dire que chacun devrait avoir désormais inscrit quelque part dans son cerveau qu'on ne peut plus accepter la corruption, on ne doit plus l'accepter. Et le deuxième élément, le deuxième moment de cette lutte contre la corruption, c'est entreprendre les différentes actions pour aller vers l'éradication de la corruption qui est une gangrène. Les participants sortent confiants des propositions faites et sont prêts à travailler pour une tolérance zéro de la corruption. Arrivé au service, on va commencer à changer de comportement pour amener ceux qui avaient déjà l'intention de... qui ont l'intention et qui veulent continuer à le faire, on va essayer de les sensibiliser. On essaie de lutter contre la corruption, mais il faut dire que ce n'est pas facile. La dénonciation ne fait pas partie de nos cultures. Ça, c'est un. Et de deux, la protection de ceux qui dénoncent. Malgré nos interpellations, jusqu'à là, les choses ne vont pas dans le bon sens. Et nous pensons qu'en tant que syndicat, nous allons toujours continuer à interpeller les pouvoirs publics, les autorités, afin que la corruption puisse régresser dans notre pays. Et les participantes aux assises nationales sur la corruption ont proposé la création d'un comité auprès de l'ASCE. Il sera chargé du suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues des présentes assises. La Semaine nationale de la citoyenneté couronne son étoile d'or de la tolérance et c'est la commune de Déou dans la province de Loudalane qui a été distinguée dans l'exemple qu'il donne à travers la cohabitation pacifique entre la population et les réfugiés maliens que la commune a accueillis. Le reportage est signé de Badaniel Kambou. La commune de Déou, honorée pour son sens de la citoyenneté et de la construction de la paix, à travers la mise en valeur de la cohabitation pacifique entre les réfugiés maliens venus chercher l'hospitalité dans notre pays et sa population. C'est les conclusions du jury du prix Étoile d'or de la tolérance 2012 rendues publiques au cours de cette cérémonie qui mettait fin à la 9e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté. C'est donc ému que son premier responsable a reçu le prix composé entre autres d'un trophée et d'un chèque de 1 million de francs CFA. Ce prix que je viens de recevoir ce matin, vraiment, je suis très très content parce que ça veut dire que les réfugiés que nous avons gérés, on les a bien gérés et il n'y a pas eu de problème. Ils sont au nombre de 36 000 et quelques réfugiés, or que notre population est de 25 745. Vous voyez la différence? Ils sont nombreux même que notre population. Les jeux concourent sur les droits humains et les compétitions sur le civisme et la propreté dans les écoles ont vu également récompenser plusieurs élèves. La culture des droits humains et des valeurs qui s'y attachent, ainsi que le respect par chacun de ses obligations citoyennes, constituent les bases sûres de l'édification d'une société de paix et de progrès, a dit Salamata Savadogo, ministre de la Justice garde des Sceaux, représentant le Premier ministre à cette cérémonie. Cela explique toute l'importance de cette Semaine nationale de la citoyenneté. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour que chaque Burkinabé puisse être conscient
de sa citoyenneté. Parce que la citoyenneté, ce n'est pas simplement un acquis, c'est une conquête à faire pour que tout un chacun puisse être à la hauteur de son rôle et de son statut dans la société. Nous sommes tous des acteurs, nous sommes tous des bâtisseurs. Chaque Burkinabé doit revisiter donc sa citoyenneté. C'est la conclusion de cette 9e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté qui a également vu la remise de distinctions à 5 citoyens reconnus pour leur mérite. Le mois de la solidarité, c'était du 11 octobre au 9 novembre dernier, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. À la présidence du FASO, le personnel était invité à cotiser pour les œuvres de l'action sociale et de la solidarité nationale au Moussissé et Nyarkiteda. Au palais de Kossiam, ce jeudi après-midi, le personnel est ici réuni pour une activité de collecte de fonds. Et c'est le chef de cabinet du président du FASO en personne qui donne l'exemple en mettant le premier sa contribution dans le panier commun. Cette activité entre dans le cadre du mois de solidarité lancé en novembre dernier. Activité politique oblige, les travailleurs de la présidence ont choisi cette fin d'année pour faire parler leur cœur au profit des couches vulnérables du Burkina Faso. Notre geste de ce soir se situe dans le mois de la solidarité institué par le gouvernement et qui consiste à faire une collecte pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables. Cette opération a été organisée en différé parce que nous n'avons pas pu le faire pendant le mois de novembre en raison des opérations liées aux élections couplées. Les fonds qui seront collectés vont être transmis au ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Pour ce département, le geste du personnel de la présidence est à saluer et indique clairement que l'objectif du mois de solidarité est bien perçu, celui de fédérer tout le monde vers un idéal, la chaîne de solidarité nationale. À la présidence ici, les personnels ont pensé qu'il y a des Burkinabés qui sont dans une certaine situation, qui ont besoin, n'est-ce pas, d'appui, d'aide divers. Et ils ont décidé, n'est-ce pas, de mettre chacun quelque chose pour ces gens. Pour nous, c'est très, très salutaire parce que si nous arrivions à développer cet esprit à travers, n'est-ce pas, le territoire national, au niveau de tous les Burkinabés, nous aurions, n'est-ce pas, réussi notre pari, n'est-ce pas, de charte nationale de solidarité. En attendant de mettre ensemble et de faire le point des fonds collectés à la présidente du FASO avant de les acheminer au ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, signalons que sur le territoire national, plus de 140 millions de francs CFA ont été déjà mobilisés et qui seront mis à la disposition du Fonds national de solidarité. Ouagadougou continue de rendre hommage aux acteurs de l'histoire du développement. De nouvelles figures sont immortalisées dans les rues de la capitale. Elles ont pour nom Jean-Paul II, Narcisse Kendrebego, El Hadj Abdoulaye Adama Touré et puis Amadou Georges Sanogo. Reportage signé Sali Nana. La commune de Ouagadougou honore sa sainteté le pape Jean-Paul II, représentant émérite de l'Église catholique au Saint-Siège, décédé au Vatican le 2 avril 2005. Cette avenue, précédemment identifiée par le numéro 2802, dans le 5e arrondissement du nouveau découpage, porte désormais le nom Avenue Pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II a été le premier pape qui a visité le Burkina Faso. Il a lancé au monde entier le message sur les problèmes du Sahel, la famine, la sécheresse, les besoins, la soif. Et à partir de ça, qu'on a ouvert la fondation Jean-Paul II pour le Sahel, qui depuis 28 ans travaille pour le bien-être, pas seulement du Burkina, mais de tous les pays du Sahel. Le conseil municipal de la ville continue donc son ambition de faire de Ouagadougou des pages d'histoire à travers ses rues et avenues. Ainsi, la rue 15-829, dans le 12e arrondissement, s'appelle rue El Hadj Mamadou Georges Sanogo, ancien ministre du Plan et de la Coopération internationale de 1978 à 1980. La rue 28-223 du 5e arrondissement, finissant au sud par le boulevard Charles de Gaulle, elle porte le nom de El Hadj Abdoulaye Adama Touré. C'est une décision souveraine de notre instance
d'honorer les devanciers et même ceux qui vivent et qui ont laissé dans des empreintes dans l'histoire de notre ville ou même l'histoire du Burkina, et de les honorer en affectant leur nom à des artères donc de la ville. Sa Sainteté Jean-Paul II, Narcisse Tchèdre-Bego, Abdoulaye Touré et Mamadou Georges Sanogo sont à jamais immortalisés et font désormais partie de l'histoire de la ville de Ouagadougou. Coopération au développement, deux autres chèques dans les caisses du grand argentier Bembamba. Le plus important vient de l'Union européenne, 26 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur de la santé. Et le deuxième de 5 milliards est un don de la Banque mondiale destiné à la Fondation Deux Yeux. Reportage Maïmouna Traoré. Par la signature de ces deux conventions de financement, l'Union européenne offre plus de 26 milliards de francs CFA au Burkina Faso. Un fonds qui permettra de financer le programme d'appui à la mise en œuvre de la coopération Burkina Faso-Union européenne et le programme d'appui à la politique sectorielle de la santé 2013-2017. Dans le contexte économique extrêmement difficile que nous vivons, quand vous avez un partenaire qui, au-delà de cela, vient vous aider à combler ce gap, et un gap orienté particulièrement vers des questions de prioritaires, et, mais également pour nous permettre un renforcement de capacité, un renforcement de tout le système de santé, il faut véritablement se féliciter. L'Union européenne veut ainsi accompagner les efforts du gouvernement en vue d'accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans lequel le pays accuse un retard. Il a été constaté que la manière dont le pays gérait et assurer l'usage des fonds qui étaient apportés par l'Union européenne était exemplaire. Et donc c'est une sorte de prime, de récompense, si j'ose dire, à la bonne qualité de gestion. La Banque mondiale a choisi, elle, d'investir dans le développement du capital humain. Elle met ainsi à la disposition de la Fondation des IE un don d'un montant de 5 milliards de francs CFA pour la construction et l'équipement de 720 logements d'étudiants sur le campus de Cambouensé. C'est une récompense pour nos étudiants et nos équipes. Ça nous permettra de construire 720 chambres et donc d'avoir une capacité d'accueil de 2500 étudiants, dont 1800 pourront être logés. Donc ça veut dire aujourd'hui que les ressortissants, non seulement du Burkina Faso, bien évidemment, mais des autres pays, c'est ça l'intérêt de 27 pays aujourd'hui, pourront trouver de bonnes conditions d'accueil. L'objectif global est de former au niveau régional un nombre conséquent de professionnels de haut niveau en matière d'eau, d'environnement et d'infrastructure. La banque est très très satisfaite de la performance et les résultats que la Fondation des IE a prouvé à tout le monde. Et la Banque mondiale, en tant qu'une institution de développement, soutient des résultats comme ça. Et c'est pour cela que nous avons presque doublé notre appui des EE, de produire la qualité et les compétences que l'économie burkinabé a besoin et que l'Afrique a besoin. L'Union européenne et la Banque mondiale se sont ainsi engagés à accompagner le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Le bornage de la frontière Mali-Burkina, c'est un projet qui va signer la fin des contestations territoriales, qui va dans le sens de la préservation de l'intégrité territoriale des deux pays, mais à contrario, la démarcation de la frontière entre les deux pays ne va-t-elle pas affecter l'économie et la culture entre les populations? Une étude a tenté de répondre à cette question. Les résultats viennent d'être présentés. Adama Koulibaly. Cette rencontre qui a lieu à Ouagadougou ce 18 décembre entre Burkina Faso et le Mali avait pour objectif de valider l'étude de l'impact socio-économique et culturel du bornage de la frontière entre ces deux pays. Débuté en 1990, le processus de démarcation de la frontière a pris fin en 2009. L'étude a porté sur 414 km des 1300 que compte cette frontière. Les résultats ont été fort intéressants parce que ça constitue quand même un cas d'école pour l'Afrique. Et surtout que le Burkina et le Mali sont les deux pays qui ont eu à seul amener une démarcation sans recours à des experts extérieurs. Ces résultats traduisent sans doute l'excellence des relations entre les deux pays. Le Mali est tout à fait satisfait de la démarcation de la frontière. Vous le savez déjà, qui marque également la coopération transfrontalière entre les deux États.
La preuve est que nous avons pu réaliser des infrastructures au niveau de la frontière qui profitent aux communes voisines. Donc le Mali est totalement satisfait de la démarcation intervenue avec le Burkina. Le programme que nous avons mis en place entre le Burkina et le Mali au niveau de Tomiya et de la zone de la Koussi, nous avons fait un centre médical qui ne considère plus la frontière et un centre où toutes les populations respectives des deux frontières viennent se soigner. Et ça, c'est l'expérience que la coopération transfrontalière peut être un atout pour l'intégration au niveau de l'Afrique. Le tronçon sur lequel a porté cette étude a été réalisé grâce à l'appui de la coopération allemande. Des recommandations ont été formulées, notamment la création d'un conseil national des frontières, la vulgarisation des résultats et surtout une étude sur le reste de la bande frontalière par le bureau d'études. Les rues Wemtenga et Manengamnore vont être bitumées. Ce sont des voies parallèles à l'avenue Babangida qui, une fois aménagées, vont permettre justement de désengorger ce axe qui traverse les 1200 logements de Charles de Gaulle au boulevard circulaire de Tansoba et qui enregistre de nombreux accidents liés à l'importance du trafic. Les travaux qui vont durer 8 mois ont été lancés ce matin en présence de Momouni Soubega. Avenue Babangida, l'une des voies les plus empruntées de la ville de Ouagadougou. C'est un axe sur lequel les embouteillages et les accidents sont monnaie courante. Et comme solution, le département des infrastructures et du désenclavement a opté de désengorger cette avenue à travers le bitumage des voies parallèles, à savoir les rues Manengamnore et Wemtenga. Il s'agit ensuite d'offrir une alternative au boulevard de Tansoba dans l'utilisation. Pas de très gros porteurs ne confère plus de fluidité et donc le gain de temps nécessaire à la dynamisation des activités urbaines, qu'elles soient économiques ou de services. Pour l'exécution des travaux, le groupement d'entreprises OKA, EKS, AC et COGEB ont été désignés et le contrôle sera assuré par AGIM Ingénieur Conseil. Il s'agira d'aménager pour ces deux voies principales des boulevards 2x2 voies avec des pistes cyclables. L'aménagement comporte en outre des caniveaux de drainage de part et d'autre et un éclairage central en double crosse. Nous avons un délai de 8 mois. Nous estimons certainement terminer avant délai. La réalisation de ce projet va coûter au budget de l'État environ 6 milliards de francs CFA. Le ministre des Mines, des Carrières et de l'Énergie qui a lancé les travaux au nom du Premier ministre attend des entrepreneurs un travail de qualité et un total respect des cahiers de charges. Il serait bon donc au terme de ces travaux, on puisse dire que Ouagadougou a été doté d'infrastructures de qualité pour, j'allais dire, désengorger les voies qui étaient encombrées et que ces travaux ont été faits selon les règles de l'art. Cela aussi participe de la crédibilité de nos entreprises. Les riverains, le conseil municipal de Ouagadougou et les autorités régionales du centre ont tous traduit leur reconnaissance aux plus hautes autorités pour cette initiative. Ils ont également émis le vœu que ce genre d'initiative soit étendu à d'autres quartiers pour non seulement moderniser la ville, mais aussi offrir des conditions de vie et de circulation propices aux populations. Un Burkinabé joue dans la cour des grands architectes du monde. Il s'agit de Francis Diébédo Kéré qui remporte le Grand Prix Global Awards for Sustainable Architecture pour son projet de construction d'un complexe scolaire dans son village Gando. Le prix lui a été remis ce 19 décembre par le président de la fondation Alcine, Claudine Bikaba. C'est pour son projet de construction du complexe scolaire d'une capacité d'accueil de 1000 places à Gando dans son village natal situé à quelques kilomètres de Tenkodogo que Diébédo Francis Kéré, architecte burkinabé, a remporté le premier prix mondial de l'édition 2012 des Global Ultimate Awards d'une valeur de 2 millions de dollars, soit 1 milliard de francs CFA, face à plus de 6000 candidatures. Le prix lui a été décerné en raison des matériaux locaux utilisés, de la prise en compte des aspects environnementaux, de la durabilité entre autres. Il lui a été remis à Ouagadougou par le président de la fondation Olsim. Je me sens très honoré. Vous savez, j'ai fait ce travail parce qu'il y avait l'amour de son village. J'avais le rêve de construire une petite école pour les habitants de chez moi.
Je n'avais pas pensé que quelqu'un pourrait s'intéresser à cela. Thiébédou Francis Kéré, dont le souhait est de voir autant d'architectes en Afrique qu'il y a de coureurs au Kenya, lance un message à la jeunesse burkinabé. Quand on reçoit ce prix, et surtout quand on vient du Burkina Faso, et utiliser les ressources qu'on a et être honoré de la sorte me donne une autre position qu'avant. Si j'ai un message à passer à la jeunesse, ce message est très simple. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vous donne. Il faut qu'on se mette au travail pour soi-même. Il faut qu'on s'engage. C'est ce que j'ai fait sans réfléchir quoi que ce soit. Et voilà, j'ai eu ce prix-là. Le projet a également remporté le premier prix régional Afrique Proche-Orient d'une valeur de 1 million de dollars et l'architecte compte réinvestir les sommes reçues dans son projet de construction qu'il compte achever dans 3 ans. Il a un cabinet à Berlin où il a fait ses études et enseigne à l'université de Harvard aux États-Unis. Il est également le réalisateur de l'opéra de Laongo. Le programme de renforcement des organisations de la société civile touche à sa fin. Après 3 ans de mise en œuvre, de nombreux projets ont été financés à plus de 8 milliards de francs CFA. Avant la clôture du programme, on fait le bilan. Le reportage Abdoul Razmane Zongo. Voilà 3 ans maintenant que le programme de renforcement des capacités des organisations de la société civile, PROS, est exécuté au Burkina Faso. Le PROS est en fin de mandat, acteur et bénéficiaire du dit programme, évalue ensemble la trajectoire des 3 années de travaux. D'ores et déjà, on peut affirmer que, au regard des résultats qui nous étaient assignés, un grand pas a été franchi. Rien que le rapport avec les compétences des OEC, aujourd'hui nous pensons que, grâce au PROS, un certain nombre d'acquis en termes de savoir et de savoir-faire ont été développés en matière de décentralisation, en matière de plaidoyer, en matière de lobbying. Beaucoup d'organisations de la société civile disposent en leur sein des acteurs qui sont en mesure d'intervenir sans aucun complexe. Y aura-t-il un PROS 2, une prolongation ou l'après-PROS? Cette question n'a pas obtenu une réponse définitive. Considérant que le renforcement des capacités est un processus, nous pensons qu'une ébauche fondamentale a été faite. On ne peut pas se dire qu'en 3 ans que nous avons mis en œuvre le PROS, il n'y a plus rien à faire. Il reste beaucoup à faire parce que le renforcement des capacités n'est pas une fin en soi, mais plutôt un processus, comme je viens de le dire. Le ministère de l'Agriculture planifie ses activités en 2013 et au-delà jusqu'en 2015 selon l'approche du budget programme et selon les priorités du programme national du secteur rural. Les cadres du département se sont retrouvés pour cela à Kaya. Le reportage est signé de Ernest Kambiré. Les journées de programmation des activités du ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique sont une étape majeure dans la vie du département. Elles permettent aux différents services centraux et déconcentrés en charge de l'agriculture d'élaborer un programme, une feuille de route qui retient l'essentiel des activités à mener pour les 3 prochaines années. On va faire les 2 types de production, céréalière et donc pendant la saison hivernale, mais de saison sèche en culture irriguée. Mais il y a aussi le volet eau. Il y a donc tout le volet eau potable, assainissement, n'est-ce pas? Mais également toutes les activités pour créer le potentiel productif, c'est-à-dire eh bien, tout ce qu'il y a comme aménagement, construction de barrages, n'est-ce pas? Création de systèmes d'irrigation et mettre à la disposition donc, des producteurs, mise à disposition des intrants, n'est-ce pas? Et des machines et outillages agricoles. Tous les programmes du gouvernement, donc toutes ces activités, nous allons les programmer, voir qu'est-ce qu'on fait et à quel moment. Rendez-vous majeur pour fédérer toutes les initiatives du secteur agricole à la mise en œuvre de la SCAD. Ces journées de programmation des activités sont triennales et couvrent la période 2013-2015. Et à Kaya, les activités seront planifiées autour de l'accroissement de la productivité et de la compétitivité agricole pour une meilleure contribution à l'accélération de la croissance économique de ces journées de programmation. Nous allons surtout maximiser et nous allons devenir compétitifs à partir seulement du moment où nous allons accroître la productivité. Produire plus sur de moindres superficies. Donc derrière ce concept donc de l'accroissement de la productivité, c'est un travail énorme de changement de mentalité, de changement d'habitude, de création de mécanismes nouveaux, d'investissement également.
Pour 2013, par exemple, il sera aménagé plus de 3000 hectares de périmètre irrigué, 11 220 hectares de bas-fonds et la réalisation de 13 barrages. En matière d'hydraulique et d'assainissement, il est prévu la réalisation de plus de 1000 forages et la construction de 155 bonnes fontaines et de 34 latrines publiques. Principale innovation majeure de ces journées de programmation de Kaya, l'introduction d'une programmation triennale 2013-2015 et le rapprochement de cette programmation au budget programme de la même période pour une meilleure prévisibilité des objectifs de production en phase avec le programme national du secteur rural. Des délégués ouest-africains ont rendu visite au Lalé Naba pour s'inspirer de l'expérience de l'association Belouette en matière de culture de jatropha. Le 11 décembre, ils ont visité un champ de production de jatropha et l'usine spécialisée dans la transformation des graines de jatropha. Reportage Ramatou Zida et Tanga Kafando. Dans l'enceinte de l'usine de transformation du jatropha à Ouagadougou, dans le quartier Kosodo, ces chercheurs touchent du doigt l'expérience de l'association Belouette. Venus d'Italie, du Ghana, du Tchad, ces visiteurs ont apprécié les produits faits à base du jatropha, comme l'huile, le savon, le biocarburant et les aliments pour bétail, après s'être rendu sur le champ de culture à Toéguin. L'autre chose que j'ai approuvé, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui est une étape dans laquelle nous sommes déjà. C'est pas évident que nous puissions réaliser des choses comme ça au Sénégal. C'est pas évident. Mais ce qui est évident, c'est la possibilité de collaboration. Nous fournissons de la matière première. Et il n'est pas dit qu'un jour, on puisse vous les apporter ici pour aider à rendre plus dynamique encore ce que nous avons observé. Je suis vraiment impressionné de cette expertise. Et j'ai beau à apprendre, là c'est sûr. Et j'espère pouvoir contribuer dans ce secteur ou comme dans d'autres. Pour donner un coup de main. Le Lalé Naba Tigré, promoteur de l'association Belouette et guide du jour, a expliqué aux visiteurs la chaîne de transformation des différents produits. Pour lui, c'est une visite qui le réconforte dans son entreprise. Le sacrifice de 4 années d'activité ici à Belouette fait école et inspire confiance à ces nationalités africaines qui veulent s'essayer dans le jatropha. Cela m'encourage, cela me donne vraiment de l'énergie pour continuer. Et je remercie les initiateurs de cette visite parce que on n'a pas seulement besoin d'argent, mais aussi on a besoin d'un moral fort pour avancer dans une activité pareille. Pour les visiteurs, ce projet est non seulement une source potentielle de production d'énergie facile, mais aussi un moyen efficace de lutte contre la pauvreté. Un incendie s'est déclenché il y a quelque temps à la Direction générale de la police nationale. Pour l'instant, les causes de cet incendie ne sont pas connues et en attendant d'évaluer les dégâts, une équipe a été dépêchée sur les lieux. Reportage Alfred Nikema. C'est aux environs de 19h que l'incendie se serait déclenché dans les ateliers de couture situés dans la cour de la Direction générale de la police nationale. Les sapeurs-pompiers appelés à la rescousse sont venus en nombre et à temps pour circonscrire, maîtriser et éteindre le feu. Le bâtiment concerné abrite aussi les magasins de stockage de tenues vestimentaires et de fournitures de couture, mais à côté, il y aurait quelques effets d'armement. Rien n'a filtré pendant toute l'opération, mais au moment où l'équipe de reportage quittait les lieux, le danger semblait écarté et les autorités de tutelle commençaient à se mobiliser sur les lieux. Sur les causes de l'incendie et l'étendue des dégâts, les spécialistes donneront de plus amples informations dès que la situation sera entièrement sous contrôle. Tout à l'heure, la télévision vous propose en différé la proclamation des résultats des législatives du 2 décembre par le Conseil constitutionnel. En conséquence, la cérémonie de la nuit des champions débutera peu après la diffusion des résultats. L'heure limite d'arrivée est fixée à 22h00. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.